Je suis actuellement à Osaka et je m'apprête à partir du coup pour Tokyo puisqu'aujourd'hui c'est notre dernier jour au Japon. Sniff sniff. Et du coup nous prenons l'avion ce soir, enfin demain puisqu'il sera 2h30 du matin. Du coup voilà, là je m'apprête à retourner déjà à Tokyo. J'ai réussi à fermer ma valise, non sans mal je l'avouerai, mais en même temps quelle idée, j'ai pris la plus petite valise du monde pour un mois et trois semaines quand même. Mais j'ai réussi à la fermer. Regardez. Waouh, tout tient dedans. C'est un miracle. Après, effectivement, en Corée, va falloir faire très léger. Il y a quelques trucs que je pense limite laisser. Dont une paire peut-être de chaussures. Enfin bon, faut voir. Ça, ce sont des affaires internes. Nous allons y aller. Let's go! Là il est presque minuit, faut que je me dépêche pour aller enregistrer ma valise et tout, je comprends rien, je suis perdue, ça me panique, donc je vais vite y aller et je vous tiens au courant, mon dieu. Mon dieu, vous pouvez pas savoir comment je suis soulagée, je vous raconterai plus tard, mais bon, je suis arrivée quand même à 17h, donc ça aurait été dommage de le louper quoi. Sachant que mon vol est à 2h10 et qu'il est minuit. Ne prêtez pas attention à cette tête immonde, je vais vous faire la visite. Mais juste regardez par contre. Attendez, je vais vous montrer mieux parce que là avec ma tête en fond c'est horrible. Mes ongles, ils sont magnifiques. Ils sont inspirés de vous savez qui bien sûr, de TXT. Ils sont trop beaux, c'est inspiré d'un de leurs albums, je vous montrerai les photos. Ils sont trop beaux, je suis trop contente. Tante. Bref voilà, la seule chose que j'ai fait de ma journée, c'est faire mes ongles. De toute façon, je pouvais pas arriver avant 15h. Bref, c'est petit, hein, mais bon, on n'a pas besoin de grand chose en soi. La machine à laver dès qu'on rentre, petite cuisine, les plaques, machin, l'évier. Bon, de toute façon, on va utiliser comme d'hab le micro-ondes. Notre meilleur ami, je sais pas s'il y a une bouilloire. Bon, on verra ça plus tard, ce n'est pas grave. Des petits placards, on a de suite... Là, il y a bien une douche. Ah oui, c'est... Ah d'accord, bon bah on va...
Ok, c'est comme les chambres au crous en fait, on va là, le pommeau de douche est là. Et on va se doucher là. Faut pas être trop gros. Bon bref, c'est pas grave, les toilettes. Et de suite, on se demande si on n'est pas en Angleterre. Hein. Tada! On a la chambre. C'est déjà un peu le bazar parce que je croyais avoir perdu mon appareil photo. Ça commence bien. Mais non, heureusement pour moi d'ailleurs. Voilà, du coup, bah, le room tour est rapidement fait. Je vais aller faire quelques petites courses. Je vous ai pas montré grand-chose, mais là, je suis exténuée, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai une tête affreuse, faut que je me lave les cheveux. Mais en tout cas, j'ai fait mes ongles. Je suis trop contente, elle a fait exactement comme sur la photo. Elle est trop forte, franchement, vraiment. Elle s'est appliquée de ouf. C'est elle qui me l'a fait. Bon, j'ai payé un peu cher. Beaucoup. 260 000 won, hein, ce qui nous fait 180 euros à peu près. Mais bon bah tant pis, hein, enfin, à un moment donné, c'est la dernière fois que je vais faire des faux ongles. Ah, ils sont trop beaux. Et les autres, ils étaient détruits, ils étaient horribles. Ah, je suis trop contente. Je suis ravie. Voilà. Oh mon dieu. Oh mais vraiment ma tête, c'est horrible. Oh là là, des bouts de gras quoi. Bon bref, je vais aller faire quelques petites courses, passer une soirée assez tranquille. Je ne sais pas si je vous reprendrai tout à l'heure. Sinon, je vous dis à demain. Je revis, je me sens fraîche à nouveau. Je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que les quelques petites images précédentes vous ont plu et on se retrouve demain pour découvrir ensemble la Corée. Faites de beaux rêves et à demain. Bisous. C'est inspiré de l'album First Day Child. The first day child. Piano. Dance with me, dance with me, dance with me. Take all my